Merci pour votre fidélité, madame et monsieur. C'est l'instant de la rue de presse sur FRICA TV, votre télévision. Le petit voyage à travers quelques capitales africaines pour faire le point sur les faits qui font l'actualité, des faits tels que traités par nos confrères de la presse écrite à travers le continent. L'autre invité donc ce matin est un patron de presse, Flanquin Momo, c'est son nom, et le directeur de publication du seul magazine gratuit régulier au Cameroun. Afrique Business Magazine, il va s'apesantir à la fin de cette revue sur quelques faits qui suscitent pour lui un commentaire. Exploitation minière au Burkina Faso, comment peut-on être pauvre et assis sur l'or? s'interroge à la une du tableau de quotidien, Jonas Ian le directeur des programmes de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement ORCAD, une ONG, intervenant dans le secteur minier. Le journal Le Pays barre une ce matin avec le prix du mouton qui varie de 40 à 60 000 francs CFA à quelques jours seulement de la fête de la Tabaski, ce grand moment de partage et de communion chez les musulmans. Pour le républicain de Bamako au Mali, le prix du mouton, le prix, les prix du mouton, autant pour moi, prennent l'ascenseur à deux jours de la fête du sacrifice. Quant au challenger, le mouton est tout simplement intouchable. Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, le jour titre que Ouattara prépare du lourd pour Bédier et Barbeau. Dans ses colonnes, l'émission confiée au cadre du RHDP. Après le rejet de la saisine par le Conseil constitutionnel au sujet de la nouvelle loi électorale en Côte d'Ivoire, l'opposition dépose une requête devant la Cour africaine de justice, nous informe le nouvel réveil. Agression, violence, vol dans les transports privés en Côte d'Ivoire. L'hebdomadaire transport pointe du doigt accusateur sur les maires et le journal de souligner l'impuissance du gouvernement face à Seigneur Ambrose. Bouteflika sera-t-il jugé Voilà la question que se pose ce jour, le soir d'Algérie. Le journal rapporte que la plupart des affaires instruites en justice mènent à l'ancien président de la République. C'est une chasse à l'homme, à une bande de criminels professionnels par la police qui fait ce jour la une de Daily Dispatch en Afrique du Sud. Il s'agit de quatre hommes armés qui ont pris d'assaut le Jumbo Cash en Carré, terrorisant les caissiers sous la menace d'une arme et s'envolant avec plus de 100 000 rondes. C'est une affaire de meurtre qui barre la une du journal Sud-Africain Post. C'est l'histoire d'un fiancé qui a été abattu par un gang rival, Chadley Tring, et qu'est-ce si Olivier devait donc se marier dans une église locale Le plan était qu'il passe le reste de la semaine en lune de miel. Mais tout cela a changé. Le fiancé et la famille de trimpleur sa mort. Le journal de l'Angola, titre sur les finances et l'élargissement de l'assiette fiscale, avec l'approbation hier par l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant le code des impôts sur le revenu. Toujours à lire dans les colonnes du journal de l'Angola. La découverte de 33 ambulances, dont 22 d'occasion et 11 nouvelles, abandonnées il y a cinq ans au centre d'orthopédie et de rééducation polyvalente de Viana. Des, des, auto, des autos qui ont été donc retrouvées lors d'une visite surprise du gouverneur de la province de Luanda, Sergio Luther Rescova. En Namibie, les africaneurs veulent 400 000 hectares de terres à Comas, titre ce jour New Era. Au Nigeria, c'est une autre chasse à l'homme qui barre la une de Daily Trust après l'enlèvement d'une cheville ouvrière de la police. Le journal poursuit en écrivant dans ses colonnes que les forces de police nigériennes ont reproché à l'armée nigérienne l'incident qui a conduit à l'assassinat de trois policiers et d'un civil ainsi que de l'évasion d'un présumé kidnappeur à Misou ou à Doume, dans l'état de Taraba. Au Kenya, Quatre présidents d'Afrique orientale vont lancer le port de 3 milliards de Kisubu, l'un des plus grands projets lancés dans l'ouest du Kenya, après la poignée de main entre les chefs d'État titre star. Pour le directeur de la KPA, Daniel Mandoukou, le projet pourrait changer radicalement le sort de la ville au bord du lac. En Tanzanie, c'est une affaire d'homicide qui fait l'actualité dans les colonnes de Tanzania. Le tribunal du district de Babati euh, à Maniara a condamné le directeur de l'école primaire anglaise de la vallée du Rift, Charles Nselé, âgé de 32 ans, à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction d'homicide. Au Zimbabwe, le gouvernement ainsi que les compagnies de carburant font la peine. Le gouvernement et l'industrie pétrolière ont sorti une impasse sur le paiement des droits dans un développement qui devrait améliorer l'approvisionnement en carburant après les dévis d'une semaine. Au Cameroun, c'est le transport aérien qui préoccupe le quotidien de l'économie. Le journal se pose la question de savoir quel potentiel rend Garwa un hub pour Camerco, la compagnie nationale aérienne Garoua, et donc la place aéroportuaire choisie par la compagnie pour lancer ce jour son nouveau plan de vol. Lutte contre Boko Haram, 52 milliards de francs CFA pour venir en aide aux victimes. C'est la principale information à lire à la une du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune. Et l'œil du Sahel de poursuivre et de titrer sur les chiffres de la pauvreté dans le Grand Nord. Madame, monsieur, c'est tout pour votre vue. Place à présent à notre invité, notre invité qui n'est autre que Franklin Momo, directeur de publication du journal Africa Business Magazine, qui est donc ce seul gratuit que l'on peut lire dans pratiquement toutes les administrations et entreprises publiques et privées au Cameroun. Franklin Momo, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Noadieu. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin pour apporter ma modeste contribution auprès des téléspectateurs de votre chaîne de télévision. Vous avez suivi, tout comme nous, cette revue de presse. Y a-t-il quelques sujets qui ont retenu votre attention et qui pourraient faire l'objet d'un commentaire Oui, je pense plutôt que ce qui a retenu mon attention, il y a deux aspects. Le premier, c'est par rapport à la surenchère clientéliste, par rapport à la fête du montant. C'est-à-dire que les gens se comportent comme si, euh, il fallait attendre des, des moments fictifs pour pouvoir gagner beaucoup plus de bénéfices. Il faut qu'on apprenne un peu à être sérieux, que dans nos cultures, nous, nous puissions intégrer la notion de la citoyenneté, parce que euh, la population doit être... Une priorité. Mais si déjà on pense simplement que la fête du moteur est une occasion pour pouvoir se faire de l'agence, cela va déstabiliser, je veux dire, déloger de cette fête qui est une fête qui illustre. Bien beaucoup de choses dans la tradition musulmane. Dans mon avis, il va falloir que ces spéculateurs puissent comprendre que euh, ça ne vaut pas la peine de, de, de faire ça sur enchère On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'une fête de mouton apaisée où tous les musulmans sont, sont fiers et de participer. Bon, en ce qui concerne par rapport. Vous avez parlé de la traite au Burkina Faso où on, le pays a beaucoup de, de, de matières premières et en tout temps, le, le niveau économique est bas. Ce n'est pas que au Burkina Faso. Si vous faites une lecture objective dans tous nos pays africains, c'est le même mal. C'est-à-dire, on a des matières premières, on a du, 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 de l'or, on a du diamant, on a tout, mais au niveau de l'économie, les choses ne, ne se passent pas bien pour une simple chose que euh, nous, nos États n'ont pas implémenté de véritables stratégies qui permettent de pouvoir transformer ces matières premières sur place pour afin d'améliorer le, le bien-être de la population. Donc, à mon avis, c'est une question de fond qu'il faut que nous puissions essayer de solutionner pour que les Africains puissent comprendre que euh, nous avons beaucoup de moyens en, en termes de ressources. Il n'y a pas que les ressources. Euh, euh, naturel mais il y les ressources humaines. Donc, euh, qu'une puissance, on comprendre naturellement que le monde entier a besoin de ces aussi bien sûr, mais cela, va, cela ne peut que s'imposer si l'Afrique a son mot à dire. Donc, il faut que nous puissions, nous puissions apprendre qu'il faut transformer ces matières premières sur place pour créer des emplois. Et pourquoi pas s'imposer sur le plan international Parce qu'on sait que toutes ces grandes puissances n'ont pas cette chance que nous avons. Ils ont un sous-sol qui n'est pas assez riche comme, comme le sous-sol africain. Donc, les Africains doivent savoir naturellement que avoir un sous-sol riche et être dépendant de l'économie, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'il suffit d'une politique globale qui obligerait les Africains à pouvoir transformer sur place leurs propres matières premières en vue de démontrer que les Africains sont capables de faire des bonnes choses. Cela va créer non seulement des emplois, ça va permettre à ce que l'Afrique puisse être compétitive sur le plan international. Donc voilà un peu les deux, les deux points séants de, de ce que j'ai retenu par rapport à votre brillante revue de presse. Alors si nous revenons à l'exploitation de nos ressources naturelles, vous l'avez relevé pour le déplorer, mais est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui opportun pour les décideurs africains de commencer à envoyer leurs fils et filles apprendre à exploiter nos propres ressources, apprendre la technologie nécessaire pour leur transformation, que de rester toujours à attendre, bien évidemment, que les experts viennent d'outre-mer oui, je pense que l'Afrique souffre d'un mot qu'il faut reconnaître, hein, le fait de la dépendance externe de l'économie. Il n'y a pas que la dépendance externe de l'économie, il y a également la, la dépendance externe de l'éducation. Une éducation qui est à, à la mesure euh, de la colonisation. Une éducation qui nous oblige à être toujours dans le, le spectre de l'immobilisme. Une éducation qui n'a pas su se transcender. Une éducation qu'il faut réinventer également. Parce que euh, sans éducation, il n'y a pas de technologie. Donc il va falloir que les Africains puissent... Euh, Procéder à des réformes de profonde amplitude pour asseoir un système éducatif qui permet de, de produire ou pour... Ou de fabriquer des intellectuels capables de pouvoir euh, apporter euh, leur expertise dans plusieurs secteurs de, 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 de l'activité économique. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu comme l'impression qu'en Afrique, nous avons toutes les ressources, comme je disais. On a euh, les hommes, mais on n'a pas naturellement intégré euh, la notion d'une véritable éducation qui, qui encadre toutes ces ressources. Vous allez voir, les gens sont des agrégés en. En, gramma, en, en grammaire, désagrégeant en littérature et tout, et tout. Alpoutan, naturellement, il faut qu'on soit concret. Qu pourquoi pas revenir au système anglo-saxon qui voudrait que l'école puisse être adaptée selon le contexte économique et selon les besoins. Donc, la fille doit revoir son mode éducatif si elle souhaite un jour s'imposer sur le marché international. Voilà, merci infiniment. On revient sur la une euh, de votre magazine, Afrique Business Magazine, vous parler euh, de la gouvernance mondiale. Et avec le nucléaire au centre des enjeux. Alors, est-ce qu'on pourra, pourrait avoir quelques éclaircissements sur cette euh, une Oui, je voulais dire aux euh, testateurs de votre chaîne de télévision que le monde entier fonctionne. Sur pas sous le mouchoir, elles fonctionnent sur les calculettes pour ceux qui sont spécialisés dans les relations internationales, ils le reconnaissent. Donc aujourd'hui, l'enjeu au du de nucléaire c'est quelque chose de très fort parce qu'on a un peu comme l'impression que euh, celui qui ne doit pas contrôler l'enjeu le, nucléaire sera un peu beaucoup plus limité. Quand on sait que le monde est géré par trois, par trois pans, il y a le pan politique, économique et militaire. Donc la pertinence en ce qui concerne le contrôle de, 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 de cette problématique. Je voudrais simplement que les États-Unis puissent avoir un ton beaucoup plus contradictoire pour démontrer naturellement que tout ce qui doit se passer par rapport à l'achemin de l'uranium peut être comme une menace par rapport au monde. Et c'est pour cela aujourd'hui que le président américain Donald Trump a essayé de... C'est-à-dire qu'il a essayé de désavouer son, son policier qui avait mis sur pied un programme par rapport à cette situation. Donc je donc comprendre naturellement que le monde entier est géré par ces grandes puissances qui se bataillent autour de ce nucléaire, parce qu'on estime que la puissance nucléaire est une puissance indescriptible pour contrôler le monde entier. Et c'est pour cela qu'on assiste à ces guerres. Et Musée magazine dans sa logique de pouvoir éclairer les antennes, démontre aux yeux du monde entier que les Américains, les Russes, les Chinois sont dans une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre par rapport au Contrôle du nucléaire, dont aujourd'hui, il va seulement falloir, falloir que la puisse aussi comprendre que quand ces gens bagarrent, c'est pour l'intérêt et l'intérêt de la population. Que nous, également ici en Afrique, nous puissions comprendre que lorsqu'il y a quelque chose qui concerne les populations ou qui concerne les l'équilibre mondial, que nous aussi, Africains, nous puissions contribuer en étant beaucoup plus sincères et sereins dans notre façon d'exister. Et cela passera bien évidemment par une bonne gouvernance, comme votre éditorial. Il est toujours à lire dans les colonnes d'Afrique Magazine Business cet article sur le franc euh, CFA, de l'ambiguïté à l'abolition. Vous vous interrogez et également euh, sur euh, le business. Comment être donc plus performant face à la concurrence? Madame Monsieur, merci euh, à vous, Franklin d Momo, d'être passé ce matin commenter avec nous ces quelques faits saillants de l'actualité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de votre vue de presse. Bonne suite des programmes sur Frica TV, votre télévision.